Salut tout le monde, c'est Keke Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Donc, ça sera sûrement une des dernières vidéos FIFA, ou peut-être seulement, ou l'avant-dernière, parce que, tout simplement, on va partir sur une draft. J'ai eu un jeton draft, donc on va faire une draft, bien sûr j'ai 21 000 crédits. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'équipe que je me suis concoctée, alors vous l'avez vu meilleur, évidemment, parce qu'en défense centrale c'était un tout petit peu plus fort. Voilà. Défenseur gauche, j'avais aussi Mendy 81. Bon, là elle est très bien aussi, elle est correcte. Hein, voilà, j'ai Agüero en attaque, j'ai Zaha en MOC, Fabinho 91 en MC, et avec en deuxième essai Torreira, Tots, donc j'ai fait le SBC. Le 2A aussi, j'ai fait le SBC. Mais ça, c'est des SBC échange feu, donc ça prend pas 5 heures à les faire. Hein. À la base, je voulais viser l'icône, sauf que bon, ils font presque plus de trucs pour avoir des échanges. Donc, pas d'icône, mais on a quand même USA 90 en AT qui est très correct. On a aussi du Aurier et d'Arsenal Cage. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, moi, j'aime bien cette équipe-là. Voilà, je prends du plaisir à jouer. Mais on n'est pas là, mais aujourd'hui on n'est pas ici pour ça, on est là pour faire une draft. Donc j'ai eu un jeton draft, donc est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on va l'utiliser? Non, on est bien utilisé les clés. Mais non, évidemment qu'on va... Évidemment, donc on est parti. Alors, le dispositif, on a droit à un 5-2-2-1. Un 5-2-1-2, excusez-moi. Un 3-5-2. Un 4-5-1 offensif. Un 4-3-2-1. Et un 4-1-2-1-2... assez bien, voilà, j'aime bien. Je pense que je vais partir sur du 4-5-1 offensif, les gars. Allez, on est parti. 4-5-1 offensif, j'aime bien cette compo. Voilà, il y a des ailiers, il y a des MOC, donc forte possibilité d'avoir des rouges. On va partir avec du Coutinho 88. J'aime pas trop trop Coutinho, mais bon, je pourrais peut-être avoir mieux. Allez, en BU on a Agüero. Agüero 90, très correct. Alors moi je suis titulaire, après je fais réserve. Le premier mot c'est attention. Ouf. Neymar. Hein. Neymar. On va prendre Neymar, les gars. Allez, le MC, j'ai pas fait exprès, c'est pas grave. Le MC. Je serais d'avis à partir sur une petite Ligue 1, moi. Parce que sur la Ligue 1, on peut faire une très belle draft. Hein. Je pense qu'on va partir sur les gars, donc on va prendre Verratti, les gars. Allez. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente vraiment. Allez, le deuxième MOC. Ok. Je vais prendre De Bruyne. Voilà, tout simplement. Pas du tout ça que je voulais faire. Plutôt ça que je voulais faire, voilà. Après, on peut aussi essayer, pourquoi pas partir sur une petite brésilienne. Aïe. Ah, je crois que c'était l'argent, c'est bon. Ça passe en vérité. On va prendre Valencia. Allez, ça c'est pas foufou hein, pour le moment. Allez, défenseur gauche. Défenseur gauche, alors on va partir sur du Robertson. Et le premier défenseur central, attention. Ah, Kimpembe, c'est intéressant. Il y a aussi Koulibaly, mais Koulibaly, de toute façon, je peux pas le placer. On prend Kimpembe, UCL. Aïe. Ah non, en vrai, ça passe, mais... c'est pas tout à fait ça. On va prendre Traoré. Défenseur de Angers en lien. Le défenseur droit, Tikini Lala. Pas de Lala. Mais on aura du Busquets. Parce qu'on sait du Busquets, voilà. Hop. Le gardien. C'est vraiment pas foufou. Hein. On aurait bien joué au Black. Mais au Black, on va pas pouvoir le placer non plus. Je pense qu'on va partir sur du Butel. Voilà, parce que ça fait un revers avec tout le monde. Donc Butel. 88 de notes seulement, les gars. Ouais, c'est vrai que la Ligue 1, c'était pas forcément très conseillé. Peut-être essayer de repartir sur une petite première ligue là, avec Shaw par exemple. Mais bon, j'étais Robertson, donc ça me sert pas grand chose. Ah là 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 là, excusez-moi pour ça. Ça lague un petit peu, excusez-moi. On n'a pas de MDC. Donc Fabinho, ça va pas m'intéresser, mais alors genre pas du tout. Sterling, on a déjà Valencia, mais Sterling c'est intéressant quand même. Je pense que je vais prendre Fabinho pour bas de 1 la note. Et de 2 au cas où si on n'a pas de défenseur. Tout simplement. Allez. Ouf.
Ouais, Messi, ouais, on va prendre Messi 95, hein, parce que là, de toute façon, on n'a pas grand-chose à prendre. Allez, un gros joueur, oui! Giggs, icône Prime Moment Prime, je ne sais pas trop. Ouais, allez, 95 de collectif. Allez, le dernier réserviste. Ça va pas être fou, on va prendre Aouar. Aouar qui a rajouté pour moi de la note. 89 de notes déjà, on a. Allez, le premier remplaçant. J'allais dire, ça commence très mal, mais non, 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 ça part très, très bien. Hasard 96. Ah, le problème, c'est que si je le mets là, ouais, on perd du collectif, donc c'est pas cool. Il faut vraiment trouver un émossé. Première ligne. Donc là, déjà, on est parti sur le gardien. Yashin directement. Pour lololo. Oh bon. Perdre du collectif. Oh, on va laisser Yashin quand même, on n'est pas des fous, hein. Mais attendez. Allez, défenseur central. Bah ouais. Ça va partir sur du tripper, hein, malheureusement. Hein. Niveau collectif, du foot du tripper. Il faut du tripper, le dernier défenseur. On a Arnold, mais Arnold, c'est pareil, c'est pas fou non plus. Hein. Il faut, ils auraient fait un Gallois à la limite. Ça aurait été intéressant. Ou alors un Irlandais. Ou un Français aussi. Un Français, bah ouais. Un Français. Parce que regardez, il en fait ça. Ah merde, ça fait pas de collectif. Oh, c'est dommage. Alors sinon, les gars, s'il y a que ça, ouais, on mettra comme ça. Mais bon, Yashin, ça va être intéressant hein, quand même au cage. C'est le MOC qu'il aurait fallu. C'est le MOC. Bon, déjà, on a Pogba. Excusez-moi. Il y a des petits coups de lag de temps en temps. Ouais, tu peux pas, et du coup, si tu rajoutes Yashin, ça fait moins 3. Le problème, c'est qu'il faut, il faut partir sur Yashin parce que. Ils veulent que je parte sur quoi sinon? Ah, David Silva. Silva, normalement. Quoi? Ah, c'est la défense, hein, les gars, qui va nous faire. Qui va nous embêter. C'est 100% la défense. Je teste. Test réussi. À peu près en tout cas. Ouais, bah là, en fait, en plus, les gars, je vois vraiment pas ce qu'il faut que je change parce que. En fait, les gars, je vois pas trop ce qu'il faut que je change parce que. Hormis le fait que là, à la limite, tu fais ça comme ça. T'as 99. Ouais, il y a AG, mais. Ah, plus 1 comme ça. Ah, comme ça, on a les 100. Comme ça, on a les 100. Et là, on a moins 1. Là, on a moins 1. Il nous aurait fallu un autre truc. Bah ouais, parce que dans ces cas-là, là, si je mets Giggs, c'est bon. J'ai pas envie de trop de. Ah, attends, si je mets Giggs là. Ah, si j'ai mis Giggs là, là, on a les 100. Et donc là, du coup, on a les 100 de collectif. Donc là, du coup, on se met très très bien. Donc, du coup, 190 de collectif. Puis je m'embête, mais ça se trouve, on avait un entraîneur de première ligue. Bon, non. Bon, du coup, on a bien fait. On a quand même un entraîneur de Ligue 1. Entraîneur de Ligue 1, on va le prendre. On va le prendre. Donc, du coup, les gars, 190. On va juste essayer de voir si on peut pas faire un peu mieux. Un peu mieux en termes de notes. Alors, non, modifier composition. Hop. Il faut bien trier ses joueurs, surtout. On avait aussi Messi. Hein. Messi, que si je jouerais, je pense que je le mettrais. Parce que Messi, Neymar et tout, ça nous met très, très bien tout ça. Hein. Voilà, ça nous met très, très, très bien. On va prendre David Silva là aussi. Oh, yeah. Excusez-moi. Oh, mais j'arrive pas. Là. Vous allez me prendre pour un handicapé. 191. Et si tu mets Verratti? Et que tu fais Robertson, clac. Et Verratti, clac. Que là aussi tu tries. On restera sur du 191. Donc les gars, c'était la dernière draft de cette année 2019. Du moins, je pense, parce que déjà la dernière draft, j'avais dit ça. Donc je pense. Si on se revoit pour une draft, et bah à bientôt sur FIFA 19. Sinon, à bientôt sur FIFA 20. En ce qui est en termes de football. En tout cas, sachez que pour FIFA 20, je prévois de gros, 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 gros trucs. Je pense qu'on va pouvoir avoir de grands, grands, grands,
grand, grand chose sur FIFA. Parce que déjà, il m'intrigue beaucoup. Il m'intrigue beaucoup, faut savoir. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte de l'avoir. Donc, les gars, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Keke Gaming. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, de lâcher le pouce bleu. Et sur ce, les gars, c'était Keke Gaming. Peace!